on a commencé le match un peu timoré, on ne s'est pas lâché. Et après, voilà, quand tu joues contre des équipes comme ça et que tu n'arrives pas à te lâcher au début, ça devient plus compliqué. Mais bon, le point positif, c'est que voilà, il faut qu'on continue à bosser. La preuve année, on a réussi à faire quelque chose aux deux derniers sets, mais bon, ça ne suffit pas parce que voilà, il faut commencer à se lâcher plus tôt. Et voilà, mais bon, on va continuer, on va essayer de faire mieux les prochains matchs. Ce qu'on s'est dit dans le vestiaire, qu'il fallait un petit peu moins les regarder jouer et aller dans la provocation. Et je l'ai montré en faisant un truc qu'on fait en général pour remettre un petit peu le feu, demander deux temps morts consécutifs. En leur disant, voilà, si on reste dans notre jeu sans mettre un peu de folie contre ce type d'équipe qui avait envie de partir très vite d'Auvergne, on l'a bien senti. Et toutes les équipes nous prennent au sérieux et démarrent avec leur 6 le plus fort. Et il y a très peu de rotation pour donner du temps de jeu. C'est plutôt des changements tactiques pour pouvoir encore marquer l'adversaire. Donc c'est bien, c'est positif. Mais en attendant, on n'arrive pas encore à faire ce dernier pas contre les grosses écuries. Hein. Voilà, on sait qu'on est des compétitrices. Voilà, ça peut arriver. Aujourd'hui, c'est arrivé que voilà, on a peut-être un peu plus de pression parce qu'on voulait faire quelque chose. On savait que c'était possible. Voilà, donc, mais bon, on oublie les deux premiers sets et on retient que ce qu'on a pu faire à la fin. Même si on sort avec une défaite, on retient le point positif et on essaiera d'améliorer les prochaines fois. Il fallait faire un résultat à Nancy, même si on sait que ça va être difficile, parce qu'elles ont fait une grosse faute contre, si je dis pas de bêtises, contre Saint-Raphaël. Et ensuite, elles ont réussi à rebondir en battant le Canet, qui est dans une bonne dynamique. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait ce soir, mais ça a l'air d'être reparti avec l'objectif des play-offs. Mais bon, on avait réussi un peu à les embêter ici, alors que j'ai toujours dit que Nancy est toujours plus fort en général. J'ai l'impression que ça a peut-être un petit peu changé cette année. Plus fort en début de saison et baisse de rythme. Donc là, j'espère qu'elles ne vont pas être trop euphoriques et qu'elles auront déjà la tête à Christmas, à Noël. En tout cas, nous, il reste une semaine et il faut aller chercher au moins un point. Ça serait bien d'aller chercher au moins un point là-bas, même avec une défaite 3-2. Mais bon, il faut être ambitieux. Ça, c'est le minimum syndical, mais il faut avoir envie d'aller chercher une victoire à Nancy.